Bon, suite à un sondage que j'ai fait hier, vous avez été plus de 80 à répondre. Ouais, vous préférez les vidéos où je vous raconte comment réaliser des miniatures. Alors du coup, je me suis dit, bah let's go, on va leur en faire une. Donc ouais, comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui, on va refaire la miniature de Léo Duff. La miniature, à mon avis, la plus connue de sa chaîne, celle qui l'a fait exploser, celle sur pourquoi TikTok a baisé le cerveau d'une génération. Elle est vraiment sympa, très propre, et on peut faire vraiment beaucoup de choses avec cette mini-là, et ça apprend pas mal de choses aussi sur les lights, sur la disposition des éléments. Il y a plein de trucs qui sont cool à apprendre, donc ça peut vraiment vous aider. Comme d'habitude, vous avez les fichiers en description, il suffit de cliquer sur le lien, voilà, vous téléchargez comme d'hab. Bon, pour commencer cette réalisation, il va falloir qu'on fasse 2-3 petits trucs avant. Déjà, en premier, il va falloir mettre un t-shirt noir. Léo Duff, dans sa miniature, il est en noir, du coup on va pas mettre un t-shirt blanc, sinon niveau des contrastes, ça va faire un petit peu bizarre. Ensuite, pour la photo, très important, on va se mettre dans le noir, donc je vais fermer mes rideaux. On dit fermer ses rideaux, alors qu'en vrai, on les tire. Bref, vous m'avez compris. Une fois que j'ai cette ambiance posée tamisée, je vais prendre mon néon, je vais le poser par terre et je vais prendre mes photos. Donc là, j'ai pas pu prendre mes photos, donc je fais cette gueule horrible et j'en fais plusieurs pour savoir laquelle est la meilleure. Maintenant, la préparation est finie, on va partir sur Photoshop. Vous allez voir, je vais vous expliquer en timelapse comment j'ai réalisé la miniature. J'espère que ça va vous plaire. Merci de mettre un like, des commentaires, ça me soutient. Et puis dites-moi si jamais vous avez envie de d'autres vidéos comme ça, des vidéos précises, des miniatures que vous aimeriez précisément que je refasse. Et moi je vous dis bon visionnage pour ce petit timelapse. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on part en ouvrant un calque 1920 par 1080, hein, c'est la taille d'une miniature. J'importe ma photo et ensuite directement ce que je viens faire, c'est essayer de la positionner avec la miniature originale pour avoir quelque chose qui est assez similaire pour, voilà, pour la position. Ensuite, je viens détourer mon sujet, donc qui est moi-même, pour vraiment avoir quelque chose de propre, hein, le détourage automatique est pas très efficace. Ensuite, j'ajoute un fond noir avec une lueur rouge fuchsia, la couleur de TikTok, pour avoir une idée. Ensuite, je rajoute une ligne avec une lueur bleue qui est dans la miniature, qui va nous permettre de rajouter le logo TikTok et like, commentaire, enfin, vous allez voir après. J'ai dégagé le fond noir, hein. Le fond noir c'était juste au début pour voir, avoir une idée de là où j'allais positionner la light. Ensuite je remove le fond, donc je duplique mon fond et je me remove moi, donc je me supprime et je supprime aussi ce qu'il y a qui peut gêner l'arrière-plan. Je suis venu rajouter un canapé dans l'arrière-plan car oui, dans la miniature il y a un canapé. Au début voilà, ça me rendait des trucs que j'aimais pas trop, puis finalement lui était pas mal. Arrivé là, je suis venu donc rajouter un petit peu de light parce que comme sur la miniature il y a beaucoup de lueur rouge derrière lui, ça fait un bon contraste avec le bleu, hein. C'est des couleurs qui sont plutôt complémentaires. Une fois que ça a été fait, je suis venu ajouter mon caméra RAW en ajoutant beaucoup de texture et de clarté pour faire ressortir la lueur et créer du contraste. J'ai ajouté mon lissage grâce au filtre Neutral Filter, donc pour lisser la peau et pas avoir des genres de cratères dans mon visage à cause de la texture. Je suis venu ajouter la lueur bleue du téléphone, donc qui est normalement celle qui est émise et qui me vient sur la gueule. Bon, en théorie c'est mon néon, mais vous avez compris. Ensuite je suis venu améliorer du coup la lumière de fond en ajoutant carrément d'autres effets par dessus, donc pour intensifier en fait la couleur du néon bleu qui va être derrière. Vous voyez, d'un coup ça rend beaucoup mieux. Je suis venu ensuite aussi ajouter, donc détourer déjà les canapés en fond parce que j'avais envie d'ajouter une light dessus qui est la light rose, hein, on peut le voir dans la miniature originale. Il y a cet effet, ça rend vachement bien, ça crée du réalisme dans l'image. Alors on le voit pas trop, mais je tenais quand même, je trouvais que c'était important à rajouter. Ensuite, ce que je suis venu faire, c'est m'ajouter du coup la light rose, enfin rose fuchsia rouge en fond, enfin sur moi du coup qui était en fond et qui reflète sur moi. Arrivé là, on importe le logo TikTok et donc déjà je suis venu un petit peu descendre la ligne rouge, enfin ligne bleue pardon, qui était un peu trop haute. Maintenant je suis venu voilà un petit peu déformer mon logo TikTok avec aussi l'outil fluidité qui est très bien pour faire cet effet un peu de distorsion, comme s'il était happé par enfin c'est moi qui étais happé, qui a happé le logo TikTok, je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais bref, c'est vraiment sympa. Je suis ajouté un petit peu de flou directionnel, j'ai testé plusieurs trucs aussi pour la couleur que je voulais vraiment intensifier et rendre plus réaliste. J'ai essayé plein de trucs et au final j'ai trouvé quelque chose qui me paraissait plutôt bien, qui pétait à l'œil, qui était assez en raccord avec les lights, enfin la lumière générale de l'image. Ensuite j'ajoute un peu de bruit sur l'image, ça rend toujours un style un peu crépi, un peu sympa. J'aime bien moi, rajouter du bruit, franchement c'est un style. Ensuite j'ajoute le logo plus,
Donc le plus qui est pour poster, hein, je suppose. On fait les mêmes effets, pareil, outil de fluidité, on se fait absorber par ça, par le logo TikTok. J'ajoute mes effets, je retisse des trucs, ça rend bien, je suis trop content. On ajoute du flou directionnel, voilà, pour ajouter de la vitesse et un peu de mouvement. J'ajoute les petits logos qui sont aussi dans la miniature. J'ai mis exactement les mêmes effets, sauf que j'ai pas rajouté de caméra RAW, étant donné que c'est une couleur blanche. J'ai juste rajouté un outil de fluidité et hop, on a mis ça sur tous les effets, ça rend bien. Et la miniature est terminée, on peut l'exporter et l'envoyer sur YouTube.